Ok, 10 électrocutions, c'est cool. Mais si je pouvais aussi avoir des cartes qui sont bien. Oh, les amis, il y a le chiffre 3. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Et salut à toutes les truites et truitesses, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et au programme, vous le voyez, préparation de pack opening du bled. On a plein de coffres qui nous attendent, 2 coffres en bois, 3 coffres en or, 1 coffre en argent, une couronne du coffre à couronne. Donc on va aller chercher ensemble une couronne en ladder pour pouvoir compléter ce coffre et se faire l'opening. Et on ouvrira également le shop. Donc au programme, présentation d'un deck spécial anti-géant royal que j'ai moi-même créé à l'instant, que j'ai travaillé un peu sur des bases que j'avais à l'époque, que j'utilisais pas mal en tournoi et notamment contre le GR un peu en ladder. Je trouvais que ça marchait pas mal contre le GR, donc on va voir ce que ça donne. Mais juste avant, comme d'habitude, le petit pouce bleu, faites péter les pouces bleus. Objectif, allez, pour cette vidéo, on va dire 300 pouces bleus, on va être raisonnable. Donc faites-moi péter ça. Et également l'option partager. Donc il y a une petite option sur YouTube que peu d'entre vous utilisent, mais il y en a qui l'utilisent. Je vois notamment sur Twitter pas mal de petits tweets à ce sujet. Je m'amuse à les retweet et à les liker. N'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum. On va essayer de faire péter les partages. Allez, un petit 100 partages pour cette vidéo. Est-ce que c'est possible? Faites tout péter, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Je compte sur vous. Peut-être le futur deck géant royal. On va voir. On va voir. On va voir. Du coup, c'est parti. Alors, je vais vous présenter ce petit deck des familles. Donc, un deck mineur mini PK avec un petit esprit de glace. La petite fournaise qui va permettre de, on va dire, temporiser le géant royal. Derrière, je pose mini PK. Ice Spirit, le géant royal, normalement il fait pas grand chose. Le mineur pour gratter, en fait ça va être vraiment basé sur du grattage, 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 de la bonne défense, de la contre-attaque derrière, notamment avec la mousquetaire, la méga gargouille, la foudre aussi qui va permettre pas mal de gratter. Alors cette foudre, je sais pas trop si vraiment elle est bien, peut-être qu'une boule de feu c'est mieux, je sais pas trop, je me tâte. On va essayer avec la foudre et dites-moi un petit peu vos retours en commentaire. Est-ce que vous pensez que ce deck peut battre le deck géant royal? Il va y avoir une petite vignette comme d'habitude en ce moment, je m'amuse à mettre pas mal de sondages sur les vidéos, donc je vous invite vraiment à voter au maximum. C'est pour un peu apporter cette interaction qu'il n'y a pas sur YouTube, sur Twitch. On peut parler parce qu'il y a le chat, etc. Là avec vous, c'est enregistré, après c'est fini. Donc il y a ces petits sondages, ça me permet un peu d'avoir cette petite interaction, même si c'est après coup. Du coup voilà, par là, go vote. Comme d'habitude, vous connaissez la musique pour ceux qui connaissent. Du coup, let's go. On va découvrir ça et j'espère tomber contre un géant royal en fait. C'est aussi ça l'idée. Mais je pense que ce deck contre géant royal, c'est pas mal contre golem, contre tout ce qui est gros tank finalement, parce que l'Ice Spirit permet pas mal de temporiser. Alors là, ce qu'on va faire, c'est commencer tranquillement par la petite fournaise des familles et jouer archer. Donc moi, vraiment, je croise GR une fois sur deux. Hein. Une fois sur deux, c'est géant royal, donc clairement, jouer un deck anti-géant royal est très bon, là, au vu de la méta actuelle. Méga gargouille en fond de map, ok. Pour l'instant, je vais juste... Ok, géant royal. On va voir tout de suite si mon deck marche. Ok. Ok. Il y a le mini PK, là, qui est en train d'avancer. On va zap ici, et mousquetaire. Mineur, pardon. Ok, la bûche, c'est pas mal. Oh, dommage. L'agro qui n'a pas été changé, j'aurais bien kiffé. Et au final, on se retrouve à gratter cette tour. On a un petit avantage pour l'instant, mais après, c'est pas fini. Donc là, on va passer sur la droite du coup. What the fuck, ma fournaise qui touche pas sa tour, il s'est passé quoi? Il y a eu un nerf? Je comprends pas là. What? Attendez, là, je comprends pas. Faut que j'ai une fournaise niveau 9 pour qu'elle atteigne la tour? Waouh! Ok. Ah, bonne foudre de la part de l'adversaire. Très très bonne foudre. On panique pas, hein. J'ai l'esprit de glace, le mini PK. Bon, on va foudrer ici. Et là on drop l'esprit de glace et Francis. Allez Francis. Oh, c'est pas mal ça. Oh, c'est pas mal du tout. Ok, on a permis de tempo. Pas de coup, pas de coup, pas de coup, pas de coup. Eh, il est en train de passer le con. Ah oh. Ah, c'est sa foudre qui a été archi violente là. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de perdre, les amis. Prochaine vague, j'y vais. Go. Ok, là on est bien, là il passe pas là. Ok.
Par contre, le souci, c'est qu'il m'a déjà bien gratté le coin. Et à ce jeu-là, malheureusement, je suis en train de perdre. Armée squelette ? Allez, on essaie de tenir. Eh non, malheureusement c'est le GG. Ah, fuck. Bon, on va retenter. Alors je suis en train de réfléchir. Je vais virer la boule de feu. Je vais virer la foudre et je vais mettre une boule de feu, je pense, à la place. Alors. Ou un sorcier de glace. Ouais, non, boule de feu. Je vais prendre boule de feu à la place. Et on va voir ce que ça donne. Ça va réduire un peu le coup, il va tourner un peu plus vite et... La mousquetaire, c'est vrai que c'était pas mal contre l'anti-aérien, on en voit beaucoup moins. Peut-être changer ça, mettre autre chose, vu que j'ai une méga gargouille, je suis en train de réfléchir. Un sorcier de glace, ça peut être pas mal, les amis. On va mettre un sorcier de glace à la place. Donc j'effectue des petites variantes, on découvre ça ensemble, en fait. C'est vraiment du live, quoi. Pas de coupure, et on y retourne. Ok, c'est un niveau 10 en face. Petit avantage en termes de niveau de tour. On va voir au niveau des cartes ce que ça donne. Et on va commencer tout de suite avec la fournaise. Ok, cochon. Cochon, ça passera pas malheureusement contre moi, je pense, avec mini PK plus... Waouh, il a fournaise 9 par contre, lui. Hein. Oh, touche la méga gargouille. Ah, ça c'est vraiment pas mal en termes de value. Le mini PK qui se débarrasse de cette fournaise. Et une autre fournaise qui est encore en place contrairement à la sienne. J'aurais jamais dû faire ça, c'était nul. Ouais, c'était nul. Ah, il en tue même pas une, quoi. Là, je sens le cochon arriver. Moi, je vais aller gratter, hein. Pépouze, j'ai pas trop le temps. Hop là. Les petites crottes, voilà, ici, qui vont connecter sur la tour. C'est plutôt pas mal avec le sorcier de glace derrière. On a mis pas mal de dégâts sur cette tour. Là, je vais boule de feu, vraiment en détente. Pour moi, c'est ok. On gratte la tour en même temps. On va poser le High Spirit ici. Ah, mal posé. Allez, bouge de là. Ah, j'ai pris des dégâts sur la fournaise. Oh, merde, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai posé une méga gargouille là-bas. Non, 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 non. Ah. Ah! Ah non! Oh, c'est dur ça, les amis! Ce qui est en train de se passer, c'est dur! Ok, on va assumer les dégâts là, on n'a pas le choix. Je suis obligé, on va essayer de rééquilibrer le game. C'est pas fini, reste 1 minute 14. On va dropper notre fournaise. Ah, c'est dommage ça. Faut vraiment gratter là. Aïe. Ok. Reste 36 secondes. Je vais perdre la tour ici. C'est pas très grave. Le souci, c'est que j'ai quand même investi pas mal d'élixirs. Ah merde, on la termine pas, ça c'est dommage. Ok. Je vais forcer plus d'élixir là. Voilà, on prend la tour, on veut forcer quelque chose. Il a pas de sort? Non. Si. Voilà, on a forcé un zap, c'est toujours ça de prix. C'est 2 d'élixir. Ah merde, il n'y avait pas besoin. Ah si. Oh, très bon zap de sa part. Il va gratter le coup. Oh non, mais non! Les raccourcis, ça va pas, je me trompe. Bon, ça va. Bon, faut que je m'applique là. Ça va pas du tout, les amis. Hein. Ah, c'est pas dégueu ça. Là, il y a une belle boule de feu. Voilà. Allez, on va y arriver. Il reste une minute. Ah ouais, mais avec mon deck là, ça va être chaud, hein. Spirit, on prendra pas de coup ici sur la tour. Malheureusement, ouais.
en une minute, c'est chaud de prendre une tour. Avec ce deck en ladder, j'ai pas le droit de perdre une tour. C'est un peu ça l'idée. Sinon derrière, c'est du draw. Bon, on prend quand même la petite couronne. Malheureusement, on n'aura pas joué un petit géant royal. Du coup, on pourra pas dire s'il marche contre géant royal. Mais j'ai fail. Normalement, je perds jamais la tour de droite. J'ai grave chié, quoi. C'est pas grave. On a eu la petite couronne et on va pouvoir se faire ce pauvre pack opening du bled avec masse coffre. Alors, est-ce que j'ai d'autres coffres qui attendent? Non, j'ai rien d'autre. Ok, nada. Alors, on commence par quoi? Le shop ou... Allez, on va commencer par les coffres. Les coffres. On garde le shop pour la fin. Le shop pour la fin. 78 pièces. Je veux le cimetière. Hein. Comme d'habitude, c'est la dernière carte qui me manque. Il me la faut. Ok, 10 électrocutions, c'est cool. Mais si je pouvais aussi avoir des cartes qui sont bien... Oh, les amis, il y a le chiffre 3. C'est quelque chose qui arrive très rarement. Et là, je l'ai vu, j'ai pas cliqué trop vite. Oh, s'il vous plaît, imaginez la légendaire dans un coffre en argent. Non, c'est pas possible. Oh, je rêve, attendez. Ok, la rare, le golem de glace. Les archères. Bon, allez, s'il vous plaît. Oh non, les piques. Ah, c'est dur. Le prince ténébreux, bon, ça reste quand même cool, mais c'est dur parce que moi, voilà, je veux le cimetière et seulement le cimetière. Ma vie pour un cimetière, quoi. 86 pièces, un 3 mousquetaires et 10 canons. Allez, on va se faire les petits coffres en or. 245 pièces, 9 canons, 12 esprits de glace, 13 esprits de feu et 4 mousquetaires. 226 pièces, attendez, je me suis enflammé parce que j'ai vu 4, mais c'est normal. 4 géants royales, 5 squelettes, 25 canons et 4 trios de mousquetaires. Je vais enchaîner avec le dernier coffre en or et enfin le coffre à couronne. Jean Bomber, ok. Ok, manque de la commune, mais c'est bien ça les 4 mini PK, c'est cool. Le mini PK qu'on voit plus trop, mais pour moi il a sa place dans la méta actuelle. Surtout avec tous les GR en ladder, je pense qu'il faut un PK en tout cas dans le deck anti-GR. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé un deck anti-GR. Je suis preneur, j'ai pas fait de recherche, j'ai pas eu le temps. Mais je vais essayer pour les prochaines vidéos d'essayer de vous en proposer un qui soit clairement efficace. Ou que ce soit dans vos commentaires et je l'ai trouvé pertinent. Ou via des recherches sur Reddit ou des sites internet. Allez, le petit coffre à couronne, 3 petites gemmes, 4 archers, 29 portugais, c'est pas mal du tout. Et non, il manquait encore de la commune, 35 gargouilles et enfin 8 petites valkyries. Bon, c'est ça de prix. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à venir sur Twitch à partir de 21h, il y aura un tournoi au programme. Donc tournoi à l'ancienne avec un bracket, il y a déjà les inscrits. Donc il n'y aura pas de place si vous n'êtes pas inscrit. Mais il y aura du gros niveau si vous voulez, du gros deck, du gros gameplay. Rendez-vous ce soir à partir de 21h sur Twitch, lien dans la description. N'oubliez pas, les pouces bleus, ça fait toujours plaisir, les petits commentaires également, et le petit partage, et l'abonnement. L'abonnance également, si t'es pas abonné, abonne-toi si tu veux sauver des bébés truites. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.